Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel pour Spark AR Studio. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser la nouvelle fonction qui nous permet d'utiliser notre galerie photo dans nos filtres. Donc on ouvre Spark. Nouveau projet. Cette option, elle est seulement accessible sur Instagram. Vous cliquez sur Project, Edit Properties, on décoche Facebook. Donc l'option, elle est seulement sur Instagram. On peut commencer le projet. Pour cet exemple, je vais juste importer un face mesh et appliquer la texture dessus. On fait le face mesh, on clique sur Add Asset. On verra qu'il y a le galerie texture qui apparaît. On clique dessus. On clique sur le face mesh. On crée un nouveau matériel pour le face mesh. Je change le matériel en flat. Juste désactiver les yeux. Ensuite, dans notre matériel, on choisit la texture, galerie texture. Une fois qu'on a utilisé la galerie texture dans notre matériel, on peut tester notre filtre sur Instagram. Donc send. Et on peut voir qu'on peut utiliser nos vidéos ou photos de notre galerie et l'utiliser comme texture du face mesh. On teste ça. Pour faire un filtre de type fond vert. On suit les mêmes étapes que le tutoriel pour la segmentation, pour changer le fond. Ensuite, dans la texture du fond, on utilise la galerie texture.